Bonjour ma petite soeur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je vais vous montrer mes petites réceptions de livres, mes craquages. Je vais d'abord vous montrer un cadeau que j'ai reçu. Elle l'avait mis en vente. Si elle passe par là, elle va se reconnaître. Et elle me l'a offert du coup. Et j'en suis super contente. Du coup, je vais commencer à le bouquiner. Ça va me plaire. Du coup, je parle de 365 histoires pour la nuit, princesse et fée de Disney. Comme ceci, il est trop beau. Je ne l'ai pas encore feuilleté vraiment. Du coup, vous voyez, là, on a la petite sorcière. Du coup, là, on a la date, le 28 octobre. Je n'ai même pas regardé le 12 octobre. Bah, je vais être curieuse, je vais regarder. C'est qui le 12 octobre? Oui, c'est la fée Clochette. C'est la fée Clochette avec Clochette et les secrets de fée. Voilà pour mon jour de mon anniversaire. Super. Voilà. Du coup, on va lire ça une page par jour, comme si c'était une page par jour. Ouais, c'est une page par jour. Du coup, on va commencer ça à partir d'aujourd'hui ou demain. Je vais voir. Peut-être bien tantôt que je lirai ça. Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des jours. Je ferai peut-être sur Instagram. Je dirai la page du jour sur Instagram. Suivez-moi si vous voulez dans la barre d'infos. Voilà. Je vais le déposer là plus loin. Parce que j'ai eu des colis. J'allais filmer et j'ai reçu 3 colis que je vais ouvrir ça après avec vous. Je continue avec une réception que j'ai déjà commencé à lire. On voit les petites. C'est le grand dictionnaire des superstitions et ses présages. Voilà, il est trop beau. J'ai déjà mis. Voilà. Il a l'air vraiment pas mal. J'ai lu quelques. Vous voyez, j'en ai pas lu beaucoup. 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est avec l'alphabet. Vous voyez, vous l'avez l'alphabet. Et puis, vous avez. Et c'est vraiment des trucs assez. Là j'ai ouvert le L. Du coup, j'ai le sac. Le lait. Les trucs de l'ancien temps, en fait. C'est un peu repartiré comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et. Ben, moi, j'ai adoré. J'ai lu sur les chats. Sur le chien, puisque maintenant j'ai bien aimé. Là c'était le cauchemar. Là c'était l'emménagement. Il y avait la chouette que j'ai vu aussi. La chance. Voilà, je veux pas traîner parce que comme j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Voilà. Après, je vais vous montrer. Je l'ai acheté chez Belgique Loisirs. Celui-ci aussi, Belgique Loisirs. C'est Méfie-toi de nous. Ceci, il est trop beau. Par contre, les éditions, je ne sais pas. C'est écrit par Juliette Bon. L'édition, je ne sais pas. C'est écrit petit, par contre. Mais je l'ai entendu parler partout et je me tentais vraiment. Et puis la couverture est trop belle. Le bleu, le rose, comme ceci. Il me tente vraiment. Voilà. Du coup, sur ce, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu le résumé. Je ne sais pas plus vous en dire. Après, je me suis pris la revanche des princesses. Là, il y a encore le ruban. Par contre, je ne suis pas non plus audition. Il n'y a même pas le nom de la... ce qu'il a écrit. Ah oui, c'est plein de docteurs. Sandrine Lebeau, Clément Bovin, Charlotte Bou... Les noms parfois. Voilà, il y a plein de noms là. Du coup, voilà. Et il est illustré. C'est avec des petits dessins à l'intérieur. J'ai entendu parler aussi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas un petit jeûne pour changer entre deux livres. Entre deux livres, quoi. Voilà. Après, on a une BD que j'ai déjà lue. Oh, je l'ai abîmée. Que je l'ai déjà lue, que vous allez avoir bientôt en résumé. Du coup, c'est la boîte à musique. Bienvenue au Pandore.
c'est Glénat, je crois, l'édition. Voilà, elle est trop belle. Et vous allez la voir. Je vous montre quelques petites planches. Voilà. Essayez de pas trop vous spoiler. Hop. Vous l'aurez en le dead lecture. Enfin, je l'ai déjà lu, du coup, vous aurez un résumé bientôt. Après, hier, j'étais en France. Du coup, j'ai trouvé ça à la Fnac. C'est Jamy Gourmand. 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 Voilà, mon tour de France au livre de poche, écrit par lui, je suppose. Voilà, il me tentait bien. C'est un tout petit livre. Ouais. Il y avait quelques petits dessins dedans que j'ai aperçus. L'écriture est assez... Là, il y a une petite vache. Voilà. Comme j'aime bien Jamy, je le suivais toute ma jeunesse. J'ai même ses livres qu'il a fait pour parler des animaux et tout ça. Du coup, voilà. Après, j'ai deux tomes. Du coup, j'ai le tome 1 de Elverman Hero. Ah, c'est le tome 2 aussi. Le tome 2 et le tome 1. Voilà, il manquera juste le tome 3 plus tard. J'en ai tellement entendu parler qui me tentait vraiment bien. Bon, les résumés, je me rappelle plus. Si je me rappelle bien, on suit chacun un personnage différent. C'est un flic, un ouvrier et l'autre, c'était un policier. Lui, c'est un policier. Je sais plus. J'ai bien, il y a ces deux, trois garçons différents qui suivent et ils vont trouver l'amour comme toujours. Voilà, la petite phrase résumée là que je vois plus bleue là, c'est l'amour véritable réussit toujours à éprouver le temps. Et celui-ci, ah ben c'est un soldat celui-ci. Quand un soldat au feu embrasse tout sur son passage. Voilà, pour les deux. Petit livre qui vient aussi de Belgique Loisirs. Ça par contre j'étais pas sûre que je vous les ai montrés, du coup je vais vous les montrer. Ça j'ai vu par Nina Queen, elle en parle assez souvent, c'est Contre le vent et marée de Charlie Coach. Voilà, du coup j'en ai un et deux, mais j'ai le tome 1 et le tome 6. Du coup ça m'embête un petit peu, du coup c'est pas grave, on lira le tome 1 et on prendra les autres. Après, je crois que c'est celui-ci le tome 1. Non, ça c'est le tome 6. Parce qu'on voit pas sur la couverture, si vous voyez, il n'y a pas de tome. Du coup, il faut regarder à l'arrière. Et à l'arrière, il est marqué. Je sais pas si vous allez voir là, tome 6. Du coup, c'est celui-ci le tome 1. Voilà, il est beau aussi. Voilà, il me tente vraiment aussi. Puis je me suis pris un petit. Un petit pour les nuls. Vous allez voir. Allez, refais. Focus. Il a un peu du mal avec la lumière. Du coup, voilà. La Théo. Les Théré. Je vais boire un coup. Ça va aller mieux. La thérapie comportementale et cognitive. Pour les nuls. Du coup voilà, j'ai déjà feuilleté, lu quelques pages, je verrai aussi si ça me plaît. Voilà, après on va commencer les petits réceptions. J'en ai trois. Voilà, trois hop. Amazon et celui-là je sais pas du tout, je sais pas c'est quoi, on verra bien. Du coup on va ouvrir ça. Heureusement que j'ai pris mes petits ciseaux. Celui-ci, je me doute c'est quoi. Il est tellement petit, fin et il n'y a que ça en fin que j'ai pris. Oui, c'est bien ça. Du coup, c'est le cahier. Allez, focus. C'est le cahier. Enfin, c'est Disney cahier de vacances pour les adultes 2020. 150 jeux, tests, questions Disney de chez Hachette et Rose. Voilà, il est trop mignon. Du coup, j'avais regardé un petit peu. Il y a du Lily et Stitch. Il y avait
du Wall-E. Du coup, je vais regarder tout ça. Bon, moi, si vous ne savez pas encore, moi, je n'écris pas dedans. Quand j'ai envie d'en faire un, je imprime la page et je le fais à part. Et je mets dans ma forte après, comme ça, à chaque fois que j'ai envie d'en faire un. Oh, ma reine, la bonne fée, voilà, vous avez plein de petits trucs, de petits jeux, de cartes. Trop chouette. On va regarder ça après, quand j'aurai fini cette vidéo-là. On a le roi lion. Ici, il faut finir sa phrase. Là, c'est en anglais, le pays. C'est trop chouette. Ça donne un peu de tout, quoi. Du coup, on va ouvrir celui-ci que je sais pas. On voit rien. C'est ennuyant. Je vous montre pas le devant parce qu'il y a ma dresse. Est-ce que je vais savoir l'ouvrir? Non, je vais couper. Oh, je me rappelle plus de celui-là. Hop, c'est un karma. Elle a l'air pas mal, presque parfait, de Roxane Bondral aux éditions Clairman Lèvres. Voilà. Il a l'air très beau, voilà. Et j'avais lu le petit résumé. C'est Roxane, elle a 30 ans, elle écrit toujours. Ouais, enfin ça. Elle décide demain, Silo. Jolie brune, parisienne, un peu tropicale, accro au grandiose. Change de job, elle convoque sa meilleure amie pour des conseils de guerre dans leur bar préféré. La jeune femme est déterminée mais aussi très maladroite. Avoir une carrière gonfle. Certaines choses n'arrivent qu'à elle. Comme le fait de passer l'entretien d'embauche avec le physique beaucoup trop charmant qui m'a emmené 2 jours plus tard. Tout ça parce qu'elle a vaguement. Voilà. Valérien en question est grand brun aux yeux bleus, affûte d'une petite sœur aussi toute gragueuse de je sais pas leur nom, Liclo. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Ils me tentent bien aussi. Voilà. Et on va continuer pour le dernier colis qui est celui-ci. Là, il est un peu. Il tient pas. Moi, je voulais l'ouvrir comme ça. Voilà. Hop. Si, j'ai un doute. Oui, je m'en doutais. C'est les nouveaux Disney. Qui est un jour ma princesse viendra de Disney. Et si la méchante reine avant empoisonne le prince, elle va empoisonner le prince à part plus la princesse, si je comprends bien. Voilà, de Hachette et Rose. Ça, c'est comme le livre de jeu. Et le dernier. Il est un peu abîmé, ça m'ennuie un peu ça. Mais enfin, on va faire avec. C'est l'histoire de la bête. Voilà, découvert la version de l'histoire. Et c'est aussi aux éditions Hachette Hero, c'est aussi ça. Ouais. Voilà. Ici, ça va être l'histoire de la bête. J'ai entendu ce qu'il y a un petit peu les résumés des gens. C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château. Oh, ça m'ennuie qu'il est abîmé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je regarde le truc abîmé à place de lire, ça m'ennuie. Tout le monde peut rencontrer, mais ceux qui ont aperçu justement qu'il porte une créature sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes.
Mais comme pour chaque histoire, il y a une version importante, ce qu'on a pu dire ou écrire, non seule question, je meurs comme un prince Yadi, heureux et apprécié de son royaume. A-t-il pu se transformer en monstre solidaire, rongeur et par amandure? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-il trouver l'amour véritable, rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui, la malédiction? Voilà. Du coup, normalement, j'ai toute la collection de ces bouquins. Je pourrais commencer à les bouquiner. Ben voilà, j'ai tout ouvert, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre plein de pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.